laisse derrière lui une histoire personnelle douloureuse. L'ancien commercial est papa d'une petite fille de 3 ans qu'il ne voit quasiment plus. Son ex-compagne lui refuse la plupart des droits de visite en dépit des décisions de justice. Pour les parents de Philippe, il était devenu vital que leur fils prenne de la distance. J'ai pas été surprise parce qu'il y avait déjà quelques mois, on va dire quelques petites années où il n'était pas très bien dans sa peau. Et je savais qu'à un moment donné, il allait avoir besoin de changer un peu des choses dans sa vie. Philippe va emmener quasiment tous ses biens en Guadeloupe, y compris sa voiture. Ce sont ses parents qui ont payé l'intégralité du déménagement et l'achat des machines à glace. En tout, ils ont dépensé plus de 80 000 euros sans hésiter une seule seconde. Bah banco, je finance. De toute façon, je préfère lui donner ce que j'ai de mon vivant et de le voir sourire qu'il soit devant ma pierre tombale. Merci papa, j'ai 70 ans, tu viens de mourir et je suis toujours dans la galère. Il y a un petit bout de ma vie qui va s'en aller là.